始めようか。Salut, c'est Mouchou. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo rapide, après je reviendrai dessus plus clairement. C'est histoire de vous montrer en fait les premières coop des caisses extrêmes, donc force renforcée. Donc là, je pars avec l'équipe. Donc on a fait quelques runs tout à l'heure et ça passait plutôt bien, justement. On n'est pas mort trop de fois. Donc là, on sent l'effet, par exemple, moi je joue avec Zabi Maru, donc l'effet de sang, ça aide. Donc c'est vrai que ça surprend. Mais vous allez voir, elle est sympa Zabi. Donc là vous avez vu, c'est le début, donc s'il se passe des choses un peu bizarres, c'est un peu normal. C'est un monde assez standard avec un ennemi. Donc comme d'hab, plein d'ennemis partout, plein de miroirs partout. Et là par contre, j'arrête pas de me faire geler, c'est même ça. Oh, il m'en veut. Bon, c'est pas grave, c'est le début. On va se rattraper après. De toute manière, avec une équipe, on a du heal. Donc, c'est recommandé fortement lorsqu'on fait des quêtes extrêmes. Facile. Le heal sauve une équipe. Avec un général, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer en Apex, ça me permet de choper les ennemis plus rapidement. C'est sérieux? En comme d'hab, hein, j'avais les gardes bleus, les gardes rouges, donc chacun a son top. Faut pas jouer forcément en haut. Regardez par rapport à certains gars. Check. Ah. Je prends des coups tout à l'heure. Je prends des balles perdues. Oh, mais c'est sérieux! Oh, 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 on se calme. Pendant ce temps-là, à côté, on a qui se tapait avec le boss. Donc là ils ont gâté le chien ou pas? Ah le chien, le chien. Enfin, le chien. Désolé, pour les touristes. Ah, pendant ce temps là... Donc vous voyez l'équipe qu'on a finalement, elle est très, je trouve qu'elle est très très bien parce qu'on a un petit peu de tout quoi. On a Ishida qui fait très très mal avec ses flèches. On a le Baragan qui apporte la malédiction. En même temps qui permet de se faire des tirs à distance. On a Divan non plus quoi. On a la Zodio qui est en tête, etc. Et comme ça, c'est quand même pas mal, tu peux taper dans le tas. Un peu comme un Kenpachi, on va dire. Donc ça aide. Après, donc chacun sa tâche, là je peux pas le taper, là je peux pas le taper. Et le Shunpo c'est votre allié, donc c'est bon, on va le faire. Vous pouvez vous dépasser, on sait. Combo de malédiction et vortex, du coup, ça fait pas mal de dégâts.
Je vais un peu de ma peau basse. Faut juste se repérer à chaque fois où sont les mobs qu'on doit buter en premier, en priorité. Donc, apparemment j'ai fait mon taf, merci d'aller. On dirait qu'il fait la prière, c'est marrant ça. Bien, vous avez vu, c'est tout en fait, c'est un jeu porté de dingue, j'adore. Voilà. Si vous le faites bien, ben voilà, j'ai des maux pour faire le silence. Donc vous voyez c'est pas mal de mobs qui gèlent, qui enflamment. Ah, du parcours aussi vous voyez dans des poisons. Donc c'est ce qu'il y a pas mal de choses quoi. Parce que j'aime bien que je me rappelle que c'est quelqu'un qui fait des barrières en fait. Ça permet de calmer en fait d'arriver des ennemis. Et c'est le temps de voir ce qui arrive. Donc, fidèle au 4 extrême, ça arrive en masse, c'est sympa. Après, il faut le reconnaître, avec les grandes plateformes de 70, ça a pas mal aidé, on va dire, on s'habitue déjà du haut niveau, quoi. Donc, du coup, on n'est pas trop perdu. Oh c'est sérieux, je me prends une balle perdue. Ouais, je vais pas t'amener, c'est comme ça tout faire. Un cadavre? Un cadavre, ouais. Il est mort. Un petit heal, voilà. Tu fais du bien. Ah, c'est ça, je déconne. J'aurais pu lancer ma trompe, mais moi j'aurais pu le vider. J'ai un petit saut en fait. Alors là, faire attention parce que là, on va arriver sur des boss après. Évidemment, on va passer le matra. Le matra et. C'est lui qui est. Ah oui, c'est lui qui est. Ah, je reconnais pas.
je me prends des balles perdues tout à l'heure. Ça va faire du bien. On s'est terminé ce mirageur. Par contre, on va faire ça. Parce qu'en fait, quand il vous tape, il peut vous paralyser. Et après, continuer à vous taper. Et donc, ça fait très mal. C'est les boss, pas les boss. C'est les boss. Voilà, lui, j'ai oublié son nom. Donc les boss sont pas si compliqués que ça au début, dans les métalliers, à part la Bibi, elle ne va pas, ça commence à se compliquer. C'est ce qu'on va faire, ben après qu'on va parler de ce moment-là, on a des boss hyper OS. Donc, on évite de se faire face à face avec eux, normalement on va se séparer pour la base qu'on a qui s'en occupe, sauf qu'il est toujours vivant. Hop. Putain, je savais. Je pense que ça m'a tué ça en même temps. Ouais, je pense que c'est une tuer. Ouais, c'est ça. Elle déclenchait le truc, ça nous a tué en même temps. Bon, revenons hein, quand même. Hop. Ouais, je vais juste ramener d'abord. Je vais ramener. Donc, faut se baser par rapport au bruit aussi. Là, il sort. Ah, c'est bon, il cherche pas. Ah, il charge. Oh, ok. En sachant qu'on recule, il faut se déplacer vraiment dans le passage d'une droite. Là, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit. Ouais, mais c'est moi qui suis chez moi. Ça baisse un peu dans la. Le Shida, on va dire, est très bien pour ce côté de l'attaque. Ah. Il n'a pas encore eu. Il a bien fait le travail. Voilà. Ouais, ça va. Donc, vous voyez, on n'est pas allé à Léa. On va dire, même si ça se passe bien, on va dire d'avoir un petit coup comme ça qui peut faire mal. Et là, donc, du coup, on arrive au boss. Là on va dire comme tout le monde ça, c'est pas bon. C'est pas plus compliqué que ça. Là on va encore l'avantage des habits et quand on va dire avoir des coups on va dire à la portée. Et ça permet de se protéger en même temps. Donc là vous dites venir niveau. Il faut être sûr de pouvoir faire des dégâts un peu partout. Parce que, au départ j'ai joué la première partie en chapitre. C'était pas mal, c'était bien, c'est tapé fort, effectivement, c'est tapé plus fort en coup blanc, c'est quand même un peu moins de dégâts, mais voilà, à côté de ça, c'était dommage de perdre le petit côté du premier attaque, puisque en fait, pour avoir marqué, j'ai tout fait régulièrement. Ah, je comprends pas pourquoi on va utiliser maintenant, là, c'est dommage. À la base, je vais l'utiliser comme une pause d'après, parce que les pauses d'après vont nous faire très mal. Bon, soit, hein. Récemment, on va jouer la technique de la fin, on va jouer sur les cheveux.
Sandrine. Oh putain, double kill. Oh non, se casse, ça me rend plus. J'arrive bien en même temps. Wow, 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 ils sont de quel côté? Ok, je sais ce côté. La base, ce qui est bien, c'est en fait de débloquer un boss par un boss pour laisser le temps en fait notamment de pour les taper. Mais par contre là je peux pas avec trop de garde, je peux pas choper. Oh, je peux prendre toutes les deux en même temps avec le cœur. Non. Tendu, un seul contre tous. Ah, c'est dommage, on n'a pas du trop d'or pour rien là, à la fin là, ça aurait été revenu tous en même temps quoi. Voilà, bon, un peu laborieux pour la fin quoi, même très laborieux je dirais. Si on en avait un marabout qui était revenu comme les autres, ça aurait été plus simple. Mais bon, les risques. Bon, ça va. Heureusement que le bonus est là pour sauver, on va dire, au moins cette coop. Parce que là, ça faisait un petit peu mal. Donc voilà, c'était un petit aperçu pour vous donner un petit peu l'idée de comment c'était, ça se passait. Donc vous voyez, tout peut très bien se passer et chavirer d'un coup, alors, d'un coup, je vous assure. C'est triste, c'est triste. Mais bon, ça va, j'ai quand même mon book, en fait, donc je suis quand même bien. Par exemple, on a une autre, qui était dans l'équipe aussi. Qui avait aussi qui a lancé des parties et qui en bonus elle a eu carrément les pinceaux. Donc c'est pour vous dire que dans les bonus on peut avoir un peu de tout. Voilà, donc si ce petit bout de vidéo vous a bien aimé, peut-être que je referai après un tuto plus complet sur cette quête extrême. Sinon n'hésitez pas à liker déjà la vidéo et à vous abonner pour voir la suite. Je vous dis à très bientôt, tchou tchou, c'était Mouchou.